Hier, le ministère public a essentiellement requis des peines de prison avec sursis à l'encontre des 9 hommes jugés depuis une semaine devant le tribunal correctionnel de Paris. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir tiré sur la gendarmerie de Montésor en 2020. Selon la justice, les prévenus seraient aussi derrière le groupuscule qui avait annoncé la reconstitution du FLNC un an plus tôt. Aujourd'hui, l'heure était aux plaidoiries de la défense. Sur place, Marie-Françoise Stéphanie Jennifer Capaille. L'instigateur, le penseur de ce FLNC 1976, Jean-Pierre Santi n'a rien de l'image de gourou qu'on lui prête, a plaidé son avocate. Militant nationaliste de la première heure, enseignant à la retraite, 80 ans aujourd'hui, Jean-Pierre Santi est considéré par l'accusation comme le cerveau, le concepteur de ce FLNC 76 ressurgi en septembre 2019. Il n'a jamais ordonné de tir ni de conférence de presse, a plaidé son avocate. C'est quelqu'un qui a été un militant toute sa vie, qui s'est battu toute sa vie, mais il s'est battu pas avec les armes qu'on lui prête dans le cadre de cette procédure. Et je crois que par facilité, on lui donne ce rôle, depuis le début de l'enquête, le rôle d'un leader charismatique qui a emporté les foules. Deux conférences de presse en cagoule et armée en septembre 2019 et en juillet 2020. Un tir contre une gendarmerie que les gendarmes ont du mal à retrouver. C'est ce que la justice reproche à 9 prévenus qui comparaissent depuis une semaine devant le tribunal correctionnel de Paris. Pierre Baldacci, 56 ans aujourd'hui, gravement malade, est considéré comme le chef opérationnel de ce groupe. Dans un FLNC qui n'en est pas un, on a évoqué le FLNC Canada Rail. Pour moi, il y a une sorte de contrefaçon qui existe autour d'une association qui n'a pas beaucoup de retentissement encore. Je parle de la Consulte, j'en suis désolé pour eux. Et donc Pierre Baldacci, il a fait des choses, il les a reconnues, mais au-delà de son état de santé qui ne justifie pas de l'incarcération, il ne faut pas le prendre pour ce qu'il n'est pas. Hier, le procureur a requis des peines allant de 1 an de prison avec sursis à 5 ans de prison avec sursis. Les avocats de la défense ont tous demandé la relaxe ou de ne pas juger sévèrement ces prévenus, considérés comme des hommes un peu perdus en quête d'un FLNC fantasmé.